On est aujourd'hui à l'Échroux, dans le 01, sur un complexe relativement imposant qui comprend 7 plans d'eau, dont un de 42 hectares, et puis 6 beaucoup plus petits, dont le Carpodrome derrière moi, là, qui fait environ un hectare. Et je vais essayer de vous prouver que même l'hiver, on peut appréhender les carpes en mettant en place une technique, une finesse, une approche différente par rapport à la saison normale. Alors d'une manière générale, il faut être très très discret quand on va pêcher dans un carpodrome. Mais là, a fortiori l'hiver, les poissons sont très peu actifs, ils sont très craintifs, ils se déplacent peu, donc ils ont moins besoin de manger. Et là, il faut absolument absolument être très très discret. Alors le premier conseil, c'est autant que faire se peut, laisser votre voiture le plus loin possible du plan d'eau et se faire les dernières dizaines de mètres avec le chariot. Pêche d'hiver, discrétion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et choix du poste de pêche. Bon, les temps semblent très réguliers, mais la berge, on a la chance d'avoir un rayon de soleil. Je pense que la berge la plus exposée sera la plus propice aujourd'hui pour essayer de faire mordre quelques poissons. Niveau du panier, essayez de le mettre le plus d'aplomb possible pour éviter les problèmes de dos. Voilà. Voilà, très bien. Là, on va commencer par monter l'épuisette en espérant qu'elle serve. Et là aussi, on va utiliser une épuisette relativement longue pour essayer de d'écourter les combats, toujours dans un but de discrétion. Donc éventuellement d'aller épuiser le poisson très rapidement, donc le plus loin possible. Voilà, donc un flotteur, c'est ni plus ni moins qu'une mousse. Un bout de mousse gainé, voilà, qui va nous servir à soutenir le manche d'épuisette quand on l'aura à bout de bras. Donc on l'enfile comme ça, on visse la tête. Voilà, et ensuite on le maintient à cette position avec ce petit scratch. Ça a été emprunté aux pêcheurs de carpes traditionnelles qui utilisent ça eux aussi pour leurs épuisettes, non pas qu'elles soient longues, mais qu'elles sont beaucoup plus longues. Voilà, ça se présente comme ça. Et ensuite, c'est une épuisette, un manche d'épuisette à emmanchement, donc on emmanche les éléments les uns derrière les autres
pour obtenir une épuisette relativement longue. Voilà, l'épuisette toujours à portée de main du côté gauche pour un droitier. Alors maintenant, l'élément principal, la canne. On va utiliser une canne spécifique, un peu plus puissante, un peu plus solide que les cannes classiques. Bien que là, l'hiver, on va plutôt utiliser des élastiques à l'intérieur, la canne, qui se rapproche plus d'élastiques utilisés pour pêcher les tanches, les brèmes et les gardons que pour les carpes. En été, les carpes, on va utiliser des élastiques de 2 mm de diamètre. Là, je pense que je vais utiliser 1,2, 1,4 maximum, tout simplement pour pouvoir me permettre de pêcher beaucoup plus fin et espérer déclencher quelques touches. Alors, canne roubaisienne, par définition, canne à emmanchement, donc. Hein. Donc on la rallonge, tout simplement en y rajoutant des tubes. Alors je vais partir avec une canne de 13 mètres, c'est pas dit que je pêche à 13 mètres. Je vais sonder pour voir où est-ce que c'est le mieux de positionner l'amorce. Mais voilà, alors donc le rouleau est très important aussi. Hein. Ça nous permet de manœuvrer cette canne en cours de pêche, de déboîter pour pouvoir prendre sa ligne. Voilà. Donc sur le rouleau à l'arrière et fixé à l'avant avec ce petit filet pour qu'elle évite de glisser. Et alors, dans ce genre de pêche, le choix de l'élastique est très très important. Il faut bien sûr qu'il soit adapté au diamètre du nylon. Je suppose que les poissons vont être relativement difficiles compte tenu de la saison. Donc là, je vais utiliser des élastiques qui se rapprochent beaucoup plus de l'élastique qu'on utilise pour pêcher des brèmes ou des tanches, voire des gardons, plutôt que des élastiques à carpe. Là, en l'occurrence, sur trois éléments. Voilà. Sur un autre élément et un troisième élément, je vais utiliser un élastique de 1,2. Voilà. Donc relativement souple. Adapté à des nylons de 10 ou 12 centièmes, parce que je compte bien essayer de prendre les carpes avec ces tailles de nylon-là. Et puis un petit peu plus fort, mais qui reste plus que raisonnable pour des carpes, un élastique de 1,4, toujours monté sur trois éléments. Voilà. Si elles montent de la bonne volonté, j'essaierai peut-être avec cet élastique, d'y associer un 14 centièmes par exemple. Ce qui reste encore tout à fait très fin pour les carpes. Voilà, compte tenu du fond, puisque le plan d'eau a en gros 1 mètre de fond, des kits de 3 éléments suffiront largement pour la longueur de la ligne. Alors dans ce genre de pêche, toujours dans le but de la discrétion. Donc je vais, pour distribuer l'amorce ou les éches, je vais absolument bannir la fronde parce que ça fait du bruit quand les pellets tombent dans l'eau. Et donc là, on va distribuer avec des coupelles. Donc pour ce faire, il faut utiliser un kit coupelle par définition. Donc c'est un kit comme les premiers, sauf qu'il n'est pas muni d'élastique. Il est muni d'un pas de vis sur lequel on va visser une petite coupelle. Je vais faire voir ça tout de suite. Donc bien sûr de la même longueur, pour être précis. Voilà, c'est-à-dire l'équivalent de trois éléments. Toujours en boîtement. Voilà. Et là, je vais y adjoindre une coupelle. Voilà, la coupelle, c'est cette petite chose hein, qui va nous permettre d'aller, non pas propulser, mais porter les éches, l'amorce, les asticots éventuellement, pour amorcer le coup. Une grande louche qui va nous permettre d'aller poser sur le coup et l'amorce. Les pellets, les graines de maïs, je ne sais pas encore avec quoi, qu'est-ce que je vais utiliser réellement. Voilà. Bien, alors on va commencer par bien sûr le montage de la ligne. Donc, je vais monter d'abord la ligne la plus fine, donc sur l'élastique le plus fin, c'est-à-dire celui qui fait 1,2 mm de diamètre.
Alors on va choisir plutôt, comme je le disais tout à l'heure, plutôt une ligne type gardant, avec des nylons de l'ordre de 10 centièmes, plutôt que des nylons de l'ordre de 16, 18 ou 20 centièmes, comme dans un carpodrome classique, et surtout dans une période classique. Donc je prends une ligne 0,20 g en 10 centièmes, bon, elle fait 6 mètres, après on va la recouper en fonction du fond, là il n'y a pas besoin de ces 6 mètres bien sûr. Donc toutes mes lignes sont enroulées à l'envers, ce qui fait que dès l'instant où j'enlève le tendeur de ligne, le bout d'élastique là, je me trouve avec la boucle sur laquelle je vais mettre le bas de ligne. La boucle, le premier plomb de touche, un deuxième plomb, une dizaine de centimètres un peu plus haut, et ensuite une plombée massive, c'est-à-dire tous les autres plombs là. Bon, bien évidemment, cette position de plomb, en fonction de la pêche, va bouger pendant la période de pêche. Hein. Et ensuite, le flotteur. Donc j'ai les plombs le premier, ce qui va me permettre tout de suite d'y adjoindre le bas de ligne. Alors, les bas de ligne sont préparés à l'avance. Voilà, dans ce genre de boîte. Donc là on a différents diamètres de nylon et différentes grosseurs d'hameçon. Encore une fois, ce sont des bas de ligne qui à la base sont plutôt prévus pour les pêches traditionnelles. Alors, j'ai encore deux lignes en 10 centièmes. Je vais utiliser un hameçon de 18 sur 9 centièmes. 9 parce que j'ai encore deux lignes en 10 centièmes sur moi. Donc je vais essayer de bon, ça c'est limite. Hein. Si les poissons montrent de l'appétit, on grossira un petit peu. Donc 18 sur 9 centièmes. Voilà. Voilà, il est relié à la ligne, boucle dans boucle. C'est-à-dire que ma ligne est finie par une boucle. Et mon bas de ligne aussi. Donc la boucle du bas de ligne, du corps de ligne. La boucle du bas de ligne. Je passe l'une dans l'autre. Et ensuite, je reviens passer l'hameçon dans la boucle, tout simplement pour faire un nœud coulant. Voilà, il me reste à tirer sur l'hameçon et fermer ce bout dans boucle. Hop, on les voit bien les deux boucles là, et on tire, et voilà. Ligne de 15 cm. Alors bon, on sait que dans ce plan d'eau, il y a environ un mètre de fond. Je vais commencer par couper ma ligne sur à peu près la valeur de mon kit de base. Et ensuite, j'affinerai en fonction de la longueur de bannière qu'il me faut, en fonction du vent. Alors pour ce faire, je fais une grande boucle. Je coupe. Voilà. Et sur la grande boucle, j'en refais une petite qui va me servir à détacher ma ligne le soir de mon élastique. Donc voilà, en détail, comment relier le nylon, la ligne, à l'élastique. Donc on fait une double boucle. Ensuite, avec cette double boucle, on fait un nœud coulant en passant une fausse boucle que l'on fait sur le nylon. À l'intérieur de la première, comme ceci. Et on va venir mettre l'élastique ici. Et je viens attacher le tout sur mon élastique. Donc l'élastique vient se mettre entre cette boucle, ici, voilà, comme ceci. Et ensuite, il me reste à serrer. Voilà, c'est fait. Alors vous allez me dire, pourquoi cette deuxième boucle là? Là, ça tient très bien. Et la deuxième boucle est juste pour défaire la ligne ce soir. Il me reste à tirer là-dessus. Et hop, la ligne s'enlève. Automatiquement, en tirant sur la deuxième boucle, on ouvre le nœud coulant et on peut libérer la ligne de l'élastique. Voilà, ma ligne est reliée. Bien, alors là, l'opération, comme dans toutes les pêches au cou, l'opération très importante, c'est de se rendre compte,
la place sur laquelle on s'est assis, comment est le fond. Donc déjà en termes de profondeur et en termes d'éventuellement mouvements différentes profondeurs sur le fond. Donc là, on a mis la sonde au bout de la ligne. Alors, dans ce type de sonde, on passe l'hameçon dans l'œillet, tout simplement, et on vient piquer l'hameçon dans le liège qui est à la base de la sonde. Et ça donne ça. Et on va déjà faire une approche. Donc, le flotteur coule. Manifestement, j'en ai pas mis assez. Voilà. Ensuite, on va bien sûr emmancher la canne. Et on va sonder, pas uniquement là où on a l'intention de pêcher, hein, mais un petit peu partout. Alors là, c'est le maximum de la canne, 13 mètres. Et là, mon flotteur, la sonde est au fond, je m'aperçois que le flotteur sort d'environ 10 cm, donc j'ai 10 cm de fond en trop. Alors, on déplace la canne de droite à gauche, et de gauche à droite, voir si c'est tout plat, effectivement c'est le cas, à cette distance. Et ensuite, petit à petit, on la ramène, c'est encore le cas, à 11 mètres. C'est toujours le cas. Bon, manifestement, le fond est très très plat et très très régulier. Voilà, on voit que même là, à 9 mètres, j'ai enlevé deux éléments. On va céder du rouleau, voilà. Voilà, même encore là, on a exactement le même fond qu'à 13 mètres. Donc déjà, première conclusion, ça ne va pas être la peine d'aller aussi loin. Hein. Vu que je suis tout seul au bord de l'eau, il n'y a pas la concurrence d'autres amorçages éventuels. Je pense que je vais déjà pêcher aux alentours de 11 mètres. Et là, je viens de m'apercevoir qu'à cette distance-là, 5 éléments, eh bien, hop, le flotteur ressort un petit peu plus. Donc là, il semble y avoir une petite cassure. Avec le vent et le mouvement de l'eau, la nourriture naturelle s'accumule dans ce genre de cassure. Donc, je déboîte ma canne et je la cherche mieux. Au cinquième élément, je vais faire un deuxième coup ici. Juste au ras de cette cassure. Bien, le sondage est fini. J'ai défini que j'allais faire deux amorçages, 11 mètres et 5 mètres. Et là, je m'aperçois que j'ai trop de bannières. La bannière étant la distance entre le flotteur et la pointe de la canne. Donc là, il y a trop de fil qui peut perturber le positionnement de la ligne, surtout s'il y a un peu du vent. Donc 50, 60 cm, ça suffit bien. Donc je vais maintenant couper à ce niveau-là et réattacher ma ligne à ce niveau-là. Une boucle, une deuxième boucle, comme tout à l'heure. Hein. J'enlève la partie que je viens de couper et je relie l'élastique à la ligne par un nœud coulant. Voilà, donc il reste 60 cm en gros du sion jusqu'au flotteur. Pour pêcher très très précis sur un amorçage à la coupelle qui lui va être très très précis, eh bien c'est ce qu'il nous faut. Voilà, maintenant on est opérationnel. Voilà. Bien alors, maintenant je vais... On a toujours l'espoir fait vivre, donc si jamais elle se montrait volontaire, je vais prévoir sur le deuxième élastique en 1,4 de diamètre une ligne similaire en termes de fond, mais par contre un petit peu plus grosse en diamètre de nylon et d'hameçon. Donc voilà, pour ce faire, je vais poser celle-là là-bas et ensuite je vais en monter une exactement à l'identique, mais un petit peu plus grosse en diamètre. Donc voilà, j'ai mes deux hameçons qui sont au pied des deux kits, le petit hameçon et le gros hameçon de la deuxième ligne. Le nylon de la première ligne en bas de ligne 9 centièmes et corps de ligne 10 centièmes, alors que là, on voit très nettement qu'il est plus gros, j'ai un 16 centièmes direct, relié exactement au même endroit pour avoir exactement la même longueur de bannière. Ce qui veut dire que ces deux lignes vont pêcher exactement de la même façon, la seule différence étant le diamètre du nylon, au cas où on rencontre des carpes volontaires qui mordent un peu plus que prévu, bien qu'on soit en hiver. Bien alors, on va commencer la pêche. Alors, je vous rappelle encore, pour la énième fois qu'on est en hiver. Donc, on va utiliser des éches relativement légères, relativement fines. Donc, les pellettes, c'est de l'aliment pour poissons compressés. Donc là, on va choisir des tailles très, très petites. Ça existe de 1 mm,
comme cela, jusqu'à 11 ou 12 mm, même plus pour certains pellets. Là, j'ai choisi des 1 et des 3. Quelques graines de chènevis, asticots, pain de mie, pain normal, saucisses, vers de terre. Donc certaines seront réservées exclusivement à l'hameçon, notamment les vers de terre et le pain, et les saucisses. Par contre, les asticots, les deux sortes de pellettes et le chènevis, elles vont me servir aussi à amorcer le coup, mais d'une façon très très légère. On est en hiver, les poissons mangent peu, et si on veut avoir des chances de les prendre à ce qu'il y a au bout de l'hameçon, il ne faut pas trop leur donner à manger. Il faut simplement les exciter, les mettre en appétit, avec un tout petit peu d'amorçage, très précis, et ensuite essayer de les faire mordre ce qu'il y a au bout de l'hameçon. Bien, alors, amorçage. On prend le kit de coupelle. Alors, un tout petit peu de pellet très fin, tout petit peu de chènevis, et une petite pincée d'asticot. Et ça, on va en mettre deux ou trois, pas plus. Il fait vraiment un amorçage très raisonnable. À 11 et à 5 sur les deux coups que l'on veut faire. Alors, pour 11 mètres, il faut que j'enlève le talon de 13, bien évidemment. Dans sa place. Je vise mon repère en face et je renverse ma coupelle. Bien, alors on va voir si elle répond présent. Alors bien évidemment, on va commencer avec la ligne la plus fine. L'élastique le plus fin. Et on va commencer très simplement avec un asticot. Exactement de la même façon que si on voulait pêcher des brèmes ou des gardons. Donc des poissons de taille plus modeste. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut descendre exactement où on a mis les coupelles d'amorçage. Donc pour ce faire, je remets la canne exactement là où je l'avais mise tout à l'heure. Le repère en face. Et je descends la ligne. Flotteur très bien équilibré. Tout petit bout d'antenne qui sort. D'ailleurs, compte tenu de la luminosité, pour le voir un peu mieux, je vais la peindre en noir. Donc pour changer la couleur, surtout pour le passer en noir, hein, tout simplement un marqueur indélébile. Et on peint la partie de l'antenne qui sort de l'eau en noir. Tout simplement. Alors ça va se voir beaucoup mieux parce que l'eau est manifestement chargée en limon. Ça prouve qu'il y a une grosse quantité de carpes parce que c'est elles qui font cette couleur-là en fouillant le fond. Hein, donc l'eau est jaune clair. Le noir va se voir bien mieux que l'orange fluo. On va voir ça tout de suite. Ouh. Et on voit beaucoup mieux le noir. Bon, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une pêche d'hiver. Les poissons sont beaucoup moins actifs, donc bien évidemment il va falloir attendre un petit peu les premières touches. On va essayer le deuxième coup, manifestement à 11 mètres ils sont toujours pas là. Je commence à avoir quelques manifestations de poissons, les pellets travaillent sur le fond. Je pense qu'on ne va pas tarder à enregistrer la première touche.
Et voilà. C'était annoncé, hein. Hop. Donc, bien évidemment, là, beaucoup de précautions. Emboîté même pour la pré-embordure. Je vous rappelle qu'on est en 9 centièmes. En élastique adapté, mais les poissons sont moins virulents à cette époque. Mais 9 centièmes, ça fait vraiment tout petit pour un carpeau. Hein. Donc, pas question de vouloir faire des prouesses de vitesse. Là. Alors, toujours se montrer têtu. Hein. Si elle va à droite, on met la canne à gauche. Si elle va à gauche, on met la canne à droite. Toujours imaginer de lui faire frotter le nylon sur le bout du museau. Avec l'élastique, fait très bien son rôle. Bon, elle n'est pas énorme. Hein, mais... elle tire bien, compte tenu de la finesse de la ligne. Et voilà pour la première. Bon, c'est un poisson 500 grammes en gros. Voilà, on la remet délicatement dans la bourriche. Alors, bourriche, c'est bien d'avoir une grande bourriche, mais il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire là. Il faut bien prendre la précaution de l'étendre. Voilà. Pour que les poissons soient le plus à l'aise possible. Alors, tout de suite, dans ce genre de pêche, vu qu'on a très très peu amorcé, chaque prise, il faut que l'on rappelle. J'ai utilisé une toute petite coupelle de sion qui va me permettre de pêcher et de rappeler en même temps. Je vais y remettre 2-3 pellettes. Comme tout à l'heure, 2-3 chaînes vie. 3-4 asticots. Et je vais pêcher en même temps que je vais rappeler. Voilà. Le principe, c'est d'être d'amorcer relativement régulièrement et d'être hyper, hyper précis, encore plus que l'été ou au printemps. Donc, je prends mon élément numéro 5, je positionne ma ligne sur mon repère d'amorçage. Voilà. Je tends le bras puisque la coupelle est un petit peu plus loin et en pluie. Directement sur le flotteur, quoi de plus précis. Je fais tomber quelques graines, quelques asticots. Et ça va être comme ça toute la journée. C'est-à-dire très très peu, mais souvent, chaque fois qu'on a une touche ou une prise. Je pense que c'est une carpe. Bon, bah, bizarrement, elle revient sur moi. Bon, le poisson va à droite, on met à gauche. Et vice versa. Elle n'est pas très grosse. Elle n'est pas très grosse, mais c'en est une. Et voilà, encore une carpette. Avec 600 grammes. Bon. Oh. Oh là là. Là, ça prouve bien que les poissons
sont peu actifs. Hein. Parce que là, je vous rappelle que j'ai un hameçon de 18 avec deux petits asticots, une ligne en 0,20 et malgré ça, on ferre dans le vide. Et on s'adresse à des carpes et des carassins. Alors, hop, vous voyez ce genre de touche, le flotteur descend. L'antenne du flotteur descend d'un millimètre et il se stabilise. En plein été, au même endroit, la touche sera bien plus marquée. Hein. Regardez-moi ça. C'est impensable. Donc j'ai descendu les plombs pour durcir un petit peu la ligne. Bon, on a enregistré quelques touches rapides là, avec une ligne peut-être un peu plus rigide. On va peut-être essayer de prendre des poissons un petit peu plus gros sur le fond. Avec la ligne très souple, elle bouge et peut-être que c'est à cause de ça qu'on prend pour l'instant des poissons un petit peu plus petits. Un petit peu petits. Mais il y a aussi dans ce plan d'eau des poissons jusqu'à 4-5 kg. On doit pouvoir essayer de les faire mordre aussi. Alors toujours 2-3. Voilà. Une coupelle toute petite et loin d'être pleine chaque fois. Hein. Essayez de les pêcher un tout petit peu derrière l'amorce. Les fois sont moins craintifs. Jamais perdre de vue qu'on est en 9 centièmes. Hein. Toujours être réemboîté. Voilà, là on voit que l'épuisette flotte, pas besoin de forcer. Ça c'est pas loin d'un kilo. Malgré ça, je vais essayer de pêcher avec un hameçon un peu plus gros pour mettre une hanche un peu plus volumineuse. Je vais mettre 5 ou 6 asticots au lieu d'en mettre un ou deux. Voir si comme ça on va déclencher les touches de carpe. Je ne dis pas que ça va marcher, mais quelquefois. Ça suffit pour déclencher la touche d'un poisson un peu plus gros. T'en es une. Tu vois, il n'est pas vilain en plus. Regarde-moi ça, il se bat pas bien. Avec le flotteur, on peut se permettre de poser l'épuisette. Voilà. Ah, celle-là, elle fait un kilo. Un petit peu plus, même. Même un peu plus. C'est impressionnant comme elles sont prises par le bout des lèvres. Voilà, la plus grosse de l'après-midi. Bon, demain, Valérie Nadan va venir nous rejoindre. Et on va en profiter pour changer de poste. On va pêcher en face, dans l'autre angle. Je pense qu'aujourd'hui, on a été un peu. On a amorcé un peu de tard en soirée. Elles mettent vraiment du temps à rentrer. Elles sont très peu actives. Pas oublier qu'elles sortent d'hibernation. Hein, donc, bon, ce sont
Elles viennent juste de commencer à s'alimenter, donc c'est pas facile. Demain, on essaiera d'être un petit peu plus réactif et de commencer la journée un peu plus tôt. Et je pense que sur le coup des midi, une heure, quand le soleil sera au maximum, je pense qu'on fera une pêche un petit peu plus conséquente. Bien Valérie, comme je te l'ai dit un peu ce matin, j'ai pêché hier donc là-bas en face. Bon, ça a été relativement compliqué. J'ai amorcé un peu tard. J'ai fait un coup à 5 mètres, j'ai fait un coup à 11 mètres avec un amorçage très très léger. J'ai fait 6 ou 7 carpes, une quinzaine de carassins. Mais par contre, j'ai vu effectivement qu'il y avait énormément d'activité ici. Et j'espère qu'on va en prendre un petit peu plus. La stratégie hier, ça a été un amorçage hyper léger. Je pense que les carpes se nourrissent l'hiver, mais par contre, elles ont très peu d'activité, donc elles dépensent très peu d'énergie, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Il faut être patient, je pense qu'il faut être patient et qu'il faut pêcher avec des lignes relativement fines, des 10 centièmes, 9 centièmes, j'ai même pêché en 9 centièmes hier. Et effectivement, par rapport à la ligne en 14 centièmes, j'ai eu aucune touche en 14 centièmes, j'ai tout touché en 9 centièmes. Voilà, donc on va essayer en pêchant la semi-bordure et puis la bordure sur la droite, et puis à 13 mètres, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Alors, au début, j'ai mis quelques petites coupelles comme ça, et puis après, je vais utiliser la même. J'ai exactement fait comme ça hier. Et après, un amorçage régulier avec les petites coupelles de sion. Quelques pellettes et quelques asticots qui tombent régulièrement exactement là où on pêche. Je pense qu'en hiver, il faut être hyper discret, encore plus qu'en période où les carpes sont en pleine activité, et hyper précis. Alors pareil, toutes les touches que j'ai enregistrées hier, c'était systématiquement en faisant des relâchés. Je laisse la ligne statique, j'ai pas vu une touche. D'accord. Et tu crois que je devrais remettre quelques asticots après avoir eu une touche là? Moi je pense effectivement dès l'instant où on n'en a pas mis beaucoup au départ, systématiquement chaque poisson pris ou chaque touche enregistrée, il faut en remettre. Mais en remettre vraiment avec les coupelles de sion, là, remettre 4-5 pellettes, un ou deux asticots, très 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 légers. D'accord. Faut pas les gaver. En réalité, les carpes mangent toute l'année, comme tous les poissons. Simplement, elles se dépensent moins, elles bougent moins, donc elles ont moins besoin de calories, de nourriture. Donc. Ah, j'ai quelques pétillements.
Ça, c'est les carpes qui arrivent, ou les carassins qui tapent dans les pellettes. Alors, on peut zapper rapidement d'un coup à l'autre. Là, j'ai exactement le même fond. Tu as remarqué, quand on est arrivé, il y avait pas mal de sauts dans ce coin-là. Mm-hmm. Et depuis qu'on est installé, on a bien fait de venir avec les chariots. Les carpes sont très, 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 très craintives. Mais si tu essaies le bed dropper, Val. Tiens, c'est une bonne idée, Gérard. Alors, donc c'est ce système. Tu passes... Alors, on passe l'hameçon... Dans le cavalier. D'accord. Et ensuite, tu le piques dans la partie en liège. Ok. Ensuite, tu le remplis et tu le fermes par l'intermédiaire de la petite targette qui a le plomb au bout. Sans forcer, parce qu'autrement, il ne s'ouvre pas. Hein. Juste ce nœud. Et c'est vraiment pour remettre... C'est vraiment pour être très, très précis. Très peu d'èche. Très peu d'èche et puis être très, très précis sur le fond. D'accord. Là, tu... Faut simplement. Pas forcer du tout. Voilà. Ok. Par contre, il ne faut pas le poser par terre au bord, hein, sinon... Ah non. Par terre, non, mais dans l'eau, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est la première fois que tu utilises ça. Ah oui, je ne connaissais pas du tout même cette technique. Ah, tu laisses tomber assez vite pour qu'il y ait dynamisme et que ça ouvre la porte. Et ça fait pas trop de bruit le fait de le poser quand même assez dynamiquement ? Non. Non ? Voilà, et là ça doit être vide. Tu soulèves, et voilà, la porte est ouverte. Et tu as vidé les ailes sur le fond. Et la grosse différence alors, comme je disais tout à l'heure, ici c'est peut-être un peu moins important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Dans les endroits où il y a 4 ou 5 mètres d'eau, eh bien quand tu lâches une coupelle à la surface, il peut y avoir des mouvements dus à l'eau. Mm-hmm. Et la coupelle... Surtout, ce que tu as mis dans la coupelle, c'est très léger. Par exemple, des pellettes d'un millimètre, ils peuvent se déplacer, se poser légèrement à droite ou légèrement à gauche. D'accord. En fonction des mouvements d'eau, dû au vent ou dû aux arrivées d'eau qu'il peut y avoir dans un plan d'eau. Donc là, vraiment, tu ouvres la coupelle sur le fond, tu es sûr d'être là. D'accord. Alors par contre, avec ce genre de choses, tu poses des pellettes hyper précis, tu poses l'amorçage hyper précis. Avec ce genre de choses, il faut préconiser une ligne avec les plombs très très bas, justement pour être... Exactement au même endroit que tu as mis la coupelle. Bon, bah là, je pense que mes plombs sont très bas. Hein. C'est très bien. Voilà. Alors que quand on pose à la coupelle ou éventuellement à la fronde, quelquefois les poissons montent. Donc là, ils vont vraiment manger sur le fond. Donc il faut une ligne plus rigide et plus raide sur le fond. D'accord. C'est un beau poisson, ça, disons. Mon verre de terre. Ah, bien. Tu nous fais les cachotteries, il faut nous l'expliquer quand tu changes d'èche. Explique-nous un peu ce que tu viens de faire, Valérie. J'ai changé simplement l'èche. J'ai mis un terreau. Un verre de terreau. Voilà, tout seul à l'hameçon. Bien. Bon, oui, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les èches animales, les protéines animales en début de saison. Asticots, verre de terre, pellettes, moues. Saucisse, mieux favoriser ce genre d'èche plutôt que les grains de maïs, plutôt que les èches végétales. C'est un beau poisson, disons. Mmh. Tu vois le bed dropper, ça les fait pas fuir. Hein. Au contraire. Hein. Oh, mais c'est un beau poisson, ça, disons. Oh, c'est plus de 2 kilos, ça, encore. Hop là. Ouh, oui, ouais, elle est très lourde. Un beau, beau poisson. Oh là là! Mais c'est même 3 kilos ça. Je vais essayer de pêcher soit aux pellettes. Manifestement, en début de saison, comme ça, c'est mieux les éches animales. Mm-hmm.
On les hèche à base de farine animale pour les protéines. D'accord. Donc je vais essayer de pêcher aux pellettes. Et mieux encore, je vais pêcher avec de la saucisse. Qui ont une particularité, c'est que leur densité est presque sensiblement la même que celle de l'eau. Donc, avec un appareil spécial, on fait une sorte de pellette avec la saucisse. Et ça fait un pellette mou et qui n'a pas de densité. Donc quand la carpe s'en approche, elle peut être attirée par le fait qu'en faisant bouger de l'eau, en faisant déplacer de l'eau, elle fait aussi bouger le bout de saucisse sur le fond et ça attire son attention. C'est un peu le même principe que quand on pêche avec de la mie de pain. D'accord. C'est vraiment un procédé pour faire des bouts de saucisse très réguliers et qui s'apparentent à la forme des pellettes qu'on jette dans l'eau. Alors pour ce faire, on a des espèces d'appareils comme ceux-là, tu vois, qui sont un peu des emporte-pièces. D'accord. Différents diamètres, mm-hmm. qu'on va, avec lesquels on va découper un bout de saucisse qui va rester ensuite à l'intérieur du tuyau. D'accord. Et en appuyant là-dessus, on va le faire sortir. D'accord. Et tu vas voir que ça va faire la forme d'un pellet. Donc on va faire quelque chose de raisonnable dans cette taille-là, puisqu'on a les hameçons relativement petits au départ. Alors, il suffit de... Je coupe d'abord une rondelle de saucisse. Et ensuite, tout simplement, on fait un porte-pièce, on appuie et on soulève. Et ce qu'il y avait là, c'est à l'intérieur. Okay. Alors on prend l'appareil comme ça, on le met au fond de sa main et on pousse comme ça, ce qui fait qu'on va faire apparaître la petite hèche et on la pique directement, comme ceci. Voilà. Et la voilà hichée. Donc en réalité, on ne la touche pas du tout. D'accord. Regarde un petit peu, c'est plus présentable. Et ça fait exactement comme un pellet mou. On va pouvoir piquer l'hameçon dedans, comme la saucisse classique. Et en plus, ça a une densité qui est proche de celle de l'eau, donc ça va bouger sur le fond. Et vu que tu viens de déclencher deux touches en faisant des bouts de saucisse un peu bizarre et un peu patatoïdo, mm-hmm. là, ceux-là seront beaucoup plus réguliers. Alors bien sûr, la largeur est en fonction de l'épaisseur de la tranche que j'ai précoupée. Hein, si je le veux un peu moins large, eh bien, je vais faire une tranche un peu plus... Tiens, je D'accord. te confie ça, vu que tu as commencé à pêcher avec ce... Merci. Et tu continues. Moi, je reste encore un peu à l'asticot. Mm-hmm. Ah, encore une touche. Ah, t'en as une ? Ah, là, je crois que c'est une carpe. Ah oui. C'est magnifique, ces petites coupelles de Sion, hein, ça fait pas du tout fléchir la canne. Très léger. Ah oui, un beau poisson. Tu veux que je t'aide à l'épuiser ? Oui. Merci, Gérard. Pense pas à nous, il faut qu'on le prenne celui-là. Ouais, c'est un beau poisson. Hein. C'est 3 kilos, ça. Le mien ? Ça ? Non. Non ? Ouais, comment ça va y avoir en manche ?
Aïe, l'herbe. En boîte, elle est mise dans l'herbe. Tu vois là, c'est la rangée d'herbe qu'on avait là. En boîte pour essayer de la tirer par dedans. Ah, elle est partie. Je pense que tu devrais la remboîter. Ouais. Non, c'est pas très. Elle est violente, hein. Non, mais c'est toujours pareil, compte tenu de la ligne, compte tenu du nylon, de l'hameçon, ben, ça fait des très très beaux combats. Alors que ce même poisson, avec 18 ou 20 centièmes l'été, ça sera moins joli, quoi. Hop là. Et là, voilà. Peut-être pas. Waouh! 2,5 kg. Elles sont vraiment rondes, hein? Ah, une belle carpe. Encore une fois, hein, avec une ligne en 20 centièmes, ce poisson-là, ça sera un combat plus classique. Mais là, avec une 10 centièmes et un 920, beau poisson. Allez! Une touche. Ah, voilà une autre. Ah. Oula. Regarde un peu. Un gros poisson, Gérard? Bah écoute, c'est la première fois qu'elle fait ça. Regarde, elle reste plantée. Ah oui, je pense qu'elle n'est pas vilaine. Ah, elle tient bien le fond, hein? Ouais. Je sais pas si je l'ai pris par la bouche. Je suis vraiment en ras du fond, c'est pas... Ah, je pense que c'est un beau poisson, ça. Ah oui. Elle bouge pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup de vitesse, mais elle est très lourde. Elle m'a sorti 4 mètres d'élastique. Pas que je la mène trop près du bord, parce qu'il y a la barrière d'herbe, là. Je voudrais pas qu'elle se mette dedans. Ah oui, non, c'est un beau poisson, je pense. En tous les cas, avec un nylon aussi fin, c'est un beau poisson, c'est clair. Et un beau combat. Le problème sur des combats qui durent un petit peu longtemps avec des tout petits hameçons comme ça, ouais. On risque de les déchirer parce que la grosseur du fer est relativement faible. Mm-hmm. Et ça agrandit le trou dans leurs lèvres et quelquefois on les perd à cause de ça. Oh là là. Tu penses que tu vas la voir là ou pas? Difficile à dire, mais il faudrait qu'elle s'arrête là parce que je suis au bout là. Ouais. C'est bizarre comme le combat. Hein. Elle n'est pas vite. Toi qui as l'habitude, Gérard, des gros poissons, tu penses qu'elle fait combien cette carpe? Ouais, incapable de dire. Avec ce nylon fin, cet élastique fin, je sais pas. C'est plusieurs kilos, c'est sûr. Oui. Oh là là. Non. Je crois qu'elle s'est mise dans une herbe. Oh la vache! Ah, un poisson aussi. Ah, elle s'est mise dans une herbe. Ah oui, on voit l'herbe qui sort d'ailleurs. Mais là, on n'a pas assez de puissance avec l'élastique et le nylon pour tirer. Ah, elle est repartie la tienne là. Ah, j'ai l'impression, ouais. Mais elle va au bout là et je sais plus quoi faire. Ça, mais elle m'a sorti 10 mètres d'élastique.
Allez, retournez. Les gars. Voilà le problème, hein, c'est pour déclencher les touches, on est. En hiver, on est obligé de pêcher très fin, et puis quand on prend un beau poisson, on est un peu à sa merci parce qu'on n'a pas suffisamment de puissance pour lui dicter un peu notre. Là, tu sais l'impression que j'ai ? Non. Elle est allée se mettre dans l'herbe et que maintenant elle se balade avec un tas d'herbe en plus. Oh ! J'ai vraiment l'impression d'être impuissant là. Elle me fait, me dicte sa conduite. Non mais regarde l'élastique. C'est quand même solide du 10 centième. Hein. Mmh. C'est pas possible. Je crois que c'est un poisson qui est pris par la bouche. Mmh. C'est sérieux. Moi je pense là qu'il y a un tas de poissons. Il y a un poisson et un tas d'herbes en même temps. Bizarre le combat. Moi je pense que c'est un poisson qui est pris bizarrement. Ouais, moi aussi. Attends, pour appeler des poissons avec des hommes si petits, il faut le faire. Hein. Ah, t'as raison, c'est pas par la bouche, ça. Regarde, ça avance par saccade. C'est sûr qu'on a eu pris des poissons bien plus gros que ça, mais avec un armement bien plus puissant aussi. Et là, c'est vraiment... Je suis vraiment en train de prendre mon pied, là. Regarde l'élastique. Il y a combien d'élastiques dehors ? 10-12 mètres ? Ah, putain, non ! C'est l'élastique qui a cassé. Ouais. Non, mais bon, ça prouve, ça fait partie du jeu. Hein. On essaye d'appréhender des gros poissons avec des nylons très très fins pour les faire mordre, parce qu'on est en début de saison. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais bon, ceci dit, j'aurais bien voulu voir le prendre, mais c'est un beau combat. Mm-hmm. Il y en a peut-être une autre. Allez. Allez. Mais je l'ai un peu amer quand même. Hein. Je pensais l'avoir. Avec du gros fil. Ouais. Tu penses qu'on aurait des touches maintenant ? Écoute, par la force des choses, c'est ce que je suis en train de faire, puisqu'elle vient de m'arracher la ligne. Mm-hmm. Donc je prends la ligne en 14 centièmes, on va vite vérifier ce que tu viens de dire. C'est sûr que dans ces cas-là, on se dit, mince, si j'avais eu la grosse ligne. Mm-hmm. Mais bon, il faut aussi se dire que si on avait eu la grosse ligne, peut-être on n'aurait pas eu la touche. Donc ouais. Il faut, faut rester les pieds sur la terre. Et... Bien, ben Valérie, on va conclure là-dessus. Hein. Moi, c'est un poisson pas très noble, hein, poisson chat. Par contre, je pense que tu as une carpe. On oui. Va finir là-dessus, on va regarder un petit peu ce qu'on a pris. Mmh. Et on va conseiller à... à tous ceux qui vont regarder ce DVD de venir pêcher. Je pense que là, en plein été, ça va être quelque chose d'extraordinaire compte tenu de ce qu'on a fait au mois de février. C'est sûr. Allez, on va. On va regarder un petit peu notre pêche. Je vais installer un tapis. Bon, non seulement il faut un tapis, mais il faut le mouiller un peu. Ça évite d'enlever le mucus des cartes. Hein. Voilà. Allez, faire ta bourriche. Mm-hmm. Et quand même, pour une pêche du mois de février. Hop là.
pense qu'on peut souhaiter à tout le monde de faire de telles bourriches en plein mois de février. Voilà, j'espère qu'on vous a prouvé que malgré la période hivernale, il y a possibilité d'appréhender des carpes, des carassins, en utilisant des lignes plus adaptées au gardon, beaucoup plus fines, avec des élastiques beaucoup plus fins. J'espère qu'on vous aura donné envie d'aller essayer la pêche de la carpe, hormis si les étangs sont gelés, mais je pense qu'on peut essayer de les appréhender toute l'année.